l'entrée. Ah. Ah. La reine. On l'a trouvé. Enfin. On l'a trouvé. Bah tu vois, en fait, finalement, ça buguait pas. Ouais. Non, c'est un autre mode qui a probablement aucun rapport, ou peut-être... Il y a du bestiaux. Bonjour, oui. Spectateur. Ah, les faces de Ragnar. Oh, ouais, ils doivent balancer des insultes et tout. Ouais, voilà. Oui. Ah non. Pas les filles. Oui. Les femmes sont polies. Oh, je l'ai tué tous. De... Non, attends, essaye de voir s'il n'y a pas... Magnifique cette statue. Ouais, de Talos, très belle. Essaye de voir s'il n'y a pas un genre des combats qu'il peut faire, etc. T'inquiète pas, ouais, je vais voir ça. Tu dois avoir un mec qui organise... sûrement moyen, ou peut-être même moi-même d'organiser, tu sais. Oh. Oh. D'accord. Ice Wolf. Dandy. Giant. Bear. Beer, vas-y, mets Beer. Combat Giant. Ici. Allez, ouais, tu dois y aller. C'est moi qui dois y aller? Ah non. Ah ouais. Il y a sûrement moyen que j'y aille aussi. Me regarde pas comme ça, toi. T'as vu comment il me regarde? Est-ce que tu peux combattre avec les deux monstres? Les deux en même temps, je sais pas, vu qu'ils se battent, mais... Oui. Il y a l'air d'y avoir moyen que j'y ai. Ah! Oui! Tu peux. Oh bon, bah voilà. Sir Purin est KO! KO! Ouais, non, ouais, c'est normal. En même temps, il est niveau 3 ou 4, je crois. On va éviter la casse. Hein. Voilà. Je l'ai tué, je suis le meilleur! Applaudissez-moi, bande de merde! Merci. Bon. Ah, et je peux appeler les monstres d'ici, apparemment. Bandy, Ice Wolf, Giant. Me fait pas rien. Les Bandy, ouais. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Je peux les faire venir comme ça. Ice Wolf. Parce que je vais tout faire. Oui, il n'y a pas de raison que j'ai pas le temps pour les combattre. Ça vous apprendra d'accord. À chercher des noix. Juste pour voir en même temps si je vais en appeler. Ça vous apprendra à chercher des noises. juste, j'en appelle un deuxième. Juste pour vérifier quelque chose. Est-ce que tu peux modifier. Regardez dans les cadavres. Il y a des chances. Oh, il y a pas d'ours. Calme. Oula. Galère là. Ok. J'ai compris. Laisse-moi. Voilà. Sauvez votre roi. Mais c'est pas mal, les... tu peux organiser des combats. J'adore l'idée. Sors. Sors, vite, sors. Y'a plus le temps. Il est hors de question de rester là-dedans. Eh, hey, mais tu peux faire un combat de géant? Je sais pas si ça marche. On va tester. Bah, test. Giant. Oh, voilà. Eh, ils ont l'air potes. Foutez-vous sur la gueule. Ça va les emmerder là. Ça vous fait chier, hein. Ils vont peut-être se foutre sur la gueule. Hein. Ils vont activer les leviers. Mais ils essayent de prendre les téléspectateurs. Balance plein de bandits. Ah ouais, les pauvres. T'sais, tu balances des prisonniers. Grave. Des prisonniers de guerre. Vas-y, regarde maintenant. Oh la vache. Oh, ils vont se faire massacrer. Ouais, franchement, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ah, c'est pas mal. Oh. En plus, ils sont à main nue, les bandits. Ils espèrent quoi? C'est vrai qu'il aurait pu un peu plus l'équiper.
c'était peut-être pas possible. Donc... Ouais, sur mon moyen, mais bon. Bah, à mon avis, c'est plus pour toi après. Oh, ça fait trembler les cadavres déjà morts. Les cadavres morts, même. Par contre, il est bon à savoir que les deux mêmes espèces ne s'attaquent pas. Ouais. Bon, maintenant, fais pareil avec les ours. Ça, ça va les calmer. Les tu crois? Ouais, je pense. Allez hop. Oula, oula. Une fois qu'on peut organiser des combats, on en profite. Hein. Oula. Oh, les ours qui volent. Est-ce que les deux géants vont survivre à cette épreuve? La réponse en direct. Attention, mesdames et messieurs. Allez, je rentre en plein la gueule. Par contre, pour récupérer toutes les peaux. Ah, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Ouais, par contre, c'est vrai que de ce côté-là. Il est presque. Il va avoir du mal à survivre. Ouais, ils sont foutus. Et là, pour combattre les ours, tu mets. Il y en a un qui te bug. Regarde, oh, joli. Il fait le moonwalk et tout, tu sais. Voilà. Bon, bah, je crois que les ours ont gagné. Vive les ours! Ours, ours, ours! Tu mets plein de trucs de tous les espèces. Non, les mais espèces. Attends, là, tu peux. Bon, des niveaux ours, ça va. Des bandits. Voilà. Quelques loups. Voilà, des loups. Et des géants. Et là, ça va être le bordel. Ça va peut-être laguer un peu, mais. Non, même pas. Putain, vraiment, t'as dit. Un poil de bah, effectivement, les géants vont sûrement gagner. Déjà, il y a du vent. Je m'étonne. T'entends les bruits. Ouais, ils sont aussi souvent piqués là. J'ai mis trop de géants. Ça vous apprendra de chercher des noix. Le ouais. Camp des géants et le vainqueur. Bon bah voilà, c'est le camp des géants. C'est sympa hein. Ouais, franchement. Allez hop, on va s'occuper de ton cas. Il n'y a pas de raison. Voilà. Tu t'es foutu de ma gueule. J'aime pas ta gueule. Non, t'es moche. Tu devrais peut-être pas apporter. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est les géants qui cherchent la merde. C'est là qu'il y en a un qui passe au travers d'un mur, c'est... Genre t'as un bug. Allez. Pute. Pute. Je vais peut-être pas tous les tuer non plus, hein, mais... Par contre... Voilà. Ça fait toujours rire. Ça amuse toujours la galerie. Maintenant, le truc qu'on va faire, c'est aller visiter ce bâtiment qui est fermé à clé pour je ne sais quelle raison, histoire de voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y a un moyen d'obtenir la clé. Hein. Je vais retourner à mon manoir juste pour voir les éléments de cheat qu'il y a. Voir s'il y aurait un truc éventuel que j'aurais pu... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a l'air d'y avoir un ennemi à l'extérieur de la muraille. Enfin, ça n'a pas d'importance. Riverhelm. C'est toujours mieux que le paradis perdu, hein. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un super mode, franchement. Assez complet. Attaquer. Ouais, il y a un ennemi. Il y a des ennemis à l'extérieur. En d'accord. Je sais pas trop où, mais. Venez. Voilà. Bon, il s'excite. Vous êtes un homme mort, ouais. D'accord.
Ça se trouve, c'est un dragon. Il va y avoir un dragon qui va débarquer. Voilà. Le manoir. Je vais voir dans le coffre à cheat. King of Realm. Non, bah non. J'ai déjà tout ça. À mon avis, ça doit être un bâtiment verrouillé de base. Ouais, ça se trouve, c'est fait exprès. On va essayer de l'ouvrir, on va voir hein, tout de suite. Tant pis, hein, si on loupe une petite partie du mode. On vous a déjà montré la quasi-globalité, à mon avis. Ouais. Pas mal de PNJ quand même, hein. Sans compter les gardes. Ils avaient dit une cinquantaine, mais est-ce qu'ils avaient compté... Ils avaient peut-être compté les gardes, finalement. Ouais. Parce que je suis pas sûr, hein, sinon... Et c'est vrai que t'as beaucoup de gardes, hein, ici, hein. Ouais. Il y a quasiment que ça, en fait. Au moins, c'est bien défendu. Ah oui, ça... Alors, nécessite une clé. Fuck it, je suis super... Je suis super... Voilà. Ouais, voilà, exactement. Donc ce bâtiment, peut-être dans une mise à jour, ils rajouteront quelque chose. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc on va pouvoir noter ce mode. Ouais. Donner une petite note, notre appréciation personnelle. Alors, moi, perso, ce que je reproche le plus à ce mode, c'est la cohérence par rapport au lieu. Ouais. C'est vraiment le seul bémol. C'est le truc qui me rebute un peu. Je l'aurais plus à la rigueur, tiens, vu que c'est pas mal de rouge garde, etc. Des gardes, je l'aurais pas mis là. Je l'aurais mis beaucoup plus à la rigueur vers Markat, etc. Dans une des zones vierges de Markat. Au nord, à l'ouest, de Solitude. Je suis pas sûr que ce soit des rouges gardes. Ils ont le look par rapport à l'armure, mais ils ont la tête aussi. Mais ils ont pas la peau noire. Hein. Oh, bah ils sont pas blonds. Hein. Non, mais les rouges gardes, ils sont noirs en général. Ouais, mais t'as des gris comme ça encore. Ouais, pas tant que ça. Depuis Skyrim, ils sont vraiment noirs. Ouais. Autant dans Oblivion, ils avaient tendance à être plus. Ça pouvait aller les limites dans le blanc. Des fois c'était un peu peau rouge. Là ils sont vraiment plus noirs. Et là on a plutôt l'impression que c'est des impériaux ou des nordiques pour certains. Vous n'avez plus longtemps à vivre. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu sans déconner? Ils ont été jusque là? À mon avis, ils ont dû pourchasser un mec. Hein. Ah ouais, ils pourchassent quelque chose, mais je sais pas trop quoi. Oh bah, à mon avis, tout ce qui leur plaît pas, donc tous les nordiques. Non, bah écoute. Voilà, on va pouvoir s'arrêter ici. Bah ouais. Là, on n'a pas donné notre note, cela dit. Ah oui, exact. Alors moi, comme note, c'est encore de nos gardes, ça. Non, ça a l'air d'être des gardes de Blancherie, ceux-là. Non, ils ont vraiment vu quelque chose, qu'ils poursuivent. Comme note... Bah alors, attendez, déjà, oui, il y a quand même un petit point aussi au niveau de la cohérence qui est pas très bon, c'est au niveau du prix, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Devenir roi pour 30 000 pièces d'or, je crois que c'est moins cher que d'acheter le manoir Blancherie et de le décorer en entier. Donc, bon... Si je me trompe pas, hein. Et après, sinon, ouais, c'est bien. C'est un bon mode. Il n'y a pas trop de soucis en dehors de la cohérence. Donc, moi, j'aurais tendance, quand même, parce que la cohérence fait diminuer pas mal la note, à mettre 7. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Le Détriceratops. D'accord. Mais rose, donc dont les textures ont bugué. Oula, doucement, TGM. Que je vois déjà ce que c'est. Parce que...
t'as désactivé, je crois. T'as marqué top. Je crois que les trucs violets qu'on voyait tout à l'heure là, ouais, les trucs violets, quoi. Bah en fait ça doit être le monster, le truc qui rajoute les 100 monstres, à mon avis il a été mal réinstallé. Parce qu'il y a eu une mise à jour, j'ai du mal de mettre à jour, j'ai dû faire une connerie, je sais pas trop quoi. Sympa le tricé. A mon avis avec les textures, ouais il doit être sympa, mais là c'est pas très bon. Et c'est très puissant, t'as pas intérêt à les emmerder. Bon, moi j'ai mis 7 sur 10, t'as donné quoi comme note Alors, moi j'ai pas donné de note. Alors pour tu pensais être comment pour les notes là pour ce point là? Bah là on en a parlé, on va éviter de développer point par point, c'est perdre du temps plus qu'autre chose je trouve. Ok. Donc en général alors, en global? Ouais ce qu'on note quoi finalement. Alors moi le lieu me dérange un peu. Ah regarde, il y en a encore là. Ouais. Je suis sûr que c'est un ennemi ça aussi. Tu vois? C'est loup ventiré. Bah on a la constellation, c'est ça là. Donc je m'occuperai de ce détail tout à l'heure. Alors pour dire, je pense que le lieu est mal choisi. Sinon après les animations, même s'il manque pas mal d'animations quand même, c'est assez vide, je trouve, niveau vie. Mais c'est pas trop mal non plus. C'est un très bon port d'attache. Je lui mettrai un petit 7 sur 10. Ouais, donc la même note que moi finalement. Ouais. Ouais, c'est ce qui me semble. Va falloir arranger ça, hein, sans déconner. Ouais, clair. Bon. Tire Purin, pas content. Tire Purin n'est jamais content. Il est roi, mais il est pas content. Voilà. On vous remercie donc d'avoir regardé cette session de vidéo et à bientôt pour une prochaine. Salut, salut tout le monde !